qui est passé maître dans l'art de les cuisiner. Le mal ne me connaît pas. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Que Dieu touche vos vies en ce début du mois de mars. Qu'il vous comble de plein de bénédictions. Que la gloire règne dans vos vies. Que la santé, que tout ce que vos cœurs désirent, que le Tout-Puissant vous l'accorde selon vos cœurs, selon vos actes. Qu'il vous accorde selon sa destinée, pour, selon sa pensée pour vous. Gloire à Dieu, je vous aime. On va louer le Tout-Puissant en ce début du mois de mars. Jésus, trois fois saint.
Je vous aime. C'est Dieu qui est puissant. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. Ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Bon. On va un peu au Cameroun, hein? Des vallées, des boulevards. Au plateau de la Damawa, on va un peu au Cameroun. On n'oublie pas ce qui se passe dans nos pays là, dans notre pays. Son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de Seigneurie par les flots du Fourri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle.
Voilà, coucou mes amours, bonjour, 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 c'est la maman, la fille de Dieu, hein, maman de Manon. Donc, on est le 1er mars, hein, le 1er mars 2019, hein, c'est déjà le troisième mois de l'année. J'ai une pensée pour tous nos combattants arrêtés au niveau du Cameroun, j'ai une pensée pour eux. Voilà, c'est pour ça, vous voyez, maman de Manon, elle vient sur, en public là, faire une prière pour tous ceux-là qu'on a capturés. Je ne vais pas citer les noms, vous connaissez déjà les noms. Notre président élu, Monsieur Maurice Kamto, qui a été capturé avec tous les leaders du MRC. J'ai une pensée aujourd'hui pour tous ces gens-là et je supplie l'éternel Dieu, la puissance au-dessus de toute puissance, qu'il manifeste un miracle énorme dans leur vie, afin qu'ils soient tous libérés avant la fin de ce mois de mars 2019, parce que j'ai la foi, j'ai confiance en Dieu. J'ai la foi en Dieu et confiance en moi. Quand je demande toujours, le Seigneur, il le fait. C'est un Dieu miraculeux. Père, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Les libres, que la puissance, le Dieu de Jacob, le Dieu de David, le Dieu d'Abraham s'occupe de leur sort parce que lui seul est capable de briser les chaînes de prison. Il est capable, Dieu est capable des miracles pour nous et j'ai foi en ce Dieu que je prie et confiance. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour une pensée pour tous ces gens du MRC qui ont été capturés. Et je rappelle ici que tous ces gens qui viennent prôner le tribalisme, là, ça ne marchera pas parce que le Cameroun, c'est un pays uni. Il n'y aura jamais de guerre chez nous. Nous nous aimons entre nous. Le Camerounais, bon, malgré le manque de travail, on a quand même un peu de solidarité entre nous. Quand, par exemple, moi, quand je vais au Cameroun, j'apporte toujours un peu d'alimentation. Enfin, j'apporte un peu de la nourriture aux plus démunis. Donc, vous voyez qu'on est solidaire quand même. Même s'il y a beaucoup de misère, on arrive toujours à s'entraider entre nous. Donc, l'histoire de que les gens veulent prôner le tribalisme, là, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce que les Camerounais s'aiment entre eux. En tout cas, moi, tout ce qui est Camerounais, qu'il soit du nord, du sud ou de l'est ou de l'ouest, moi, Demanou, je le considère comme moi-même. Parce qu'un être humain, personne ne peut créer un être humain. Vous allez regarder que les Bamileke sont moins que vous par rapport à quoi? Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux. Hein? Personne n'a demandé à naître Bami ou Béti ou nordiste ou noir même. Personne n'a demandé ça. On est né là où Dieu a choisi. Là où on est né. Là où on est né, comme le professeur Maurice Kamto a dit. Qui a choisi d'être noir ou blanc? Qui a choisi? Tout ce que Dieu fait dans nos vies est bon. Vous comprenez? Donc arrêtez de prôner le tribalisme. Arrêtez de dire que les Bamileke, ceci. Arrêtez ça, ça ne passera pas au Cameroun. La preuve, votre brigade des patriotes, ça commence à se déchirer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prôner la haine. Ça ne marchera pas. Les Camerounais s'aiment entre eux. Pour tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent détruire le Cameroun en prophétisant les paroles tribales, détrompez-vous. Le Cameroun, c'est un pays uni. Il n'y aura pas de guerre au Cameroun. Il y aura la paix. La paix régnera. Parce que le peuple camerounais, c'est un peuple intelligent. Ils ne sont pas cons. Et vous avez suivi le discours de Maurice Kamto. Il n'a jamais demandé à se bagarrer. Moi, je partage beaucoup ces vidéos parce que c'est un monsieur qui m'inspire. Vous savez, moi, je n'avais jamais voté jusqu'à présent à mon âge.
Vous vous imaginez, je suis allée voter pour Maurice Kamto parce que j'avais lu son discours. Il a fait un discours. Je partage même souvent son discours pour le Cameroun sur ma page. Mais c'est un discours qui est formidable. Maurice Kamto se présente en France avec un tel discours, mais il gagne les élections. Ben, je vais dire aux États-Unis parce que bon, ben, en France, ce n'est pas comme aux États-Unis. Maurice Kamto, c'est le Obama du Cameroun. Je suis désolée de vous le dire, c'est la vérité. C'est une chance énorme que nous, le peuple camerounais, nous avons d'avoir un monsieur comme Maurice Kamto. C'est le Obama du Cameroun, je vous le dis. Ho-ha. C'est notre Obama. Donc je prie pour lui aujourd'hui, en ce premier jour du mois de mars 2019, que toutes mes prières, toutes mes pensées vont vers notre président élu. Je sais qu'on va le lâcher. Parce que de toute façon, on ne peut rien lui faire. On va le laisser. Et il vivra et il gouvernera notre pays parce qu'il a un plan pour tout le monde, pour nous tous. Que tu sois du Nord, il a un plan, c'est-à-dire qu'il a un programme pour le Cameroun qui est digne pour une première fois dans l'histoire du Cameroun. Je vous dis qu'en mon âge, je ne vais pas vous donner mon âge, mais je vous dis que je n'ai jamais voté pour personne. Mais quand j'ai lu le programme de Maurice Kamto, je suis allée voter à Paris pour la première fois après 19 ans de France. Je vous dis la vérité, vous pouvez aller voir sur mon mur, j'ai partagé mon vote. J'ai partagé. Donc je vous dis que c'est une chance pour le peuple camerounais d'avoir Maurice Kamto. C'est une chance. Je n'ai jamais vu ça de mon histoire de vie, de mon histoire de mon histoire de jeunes Camerounais, je n'ai jamais vu aucun candidat qui a proposé un si beau programme. Je vais vous repartager son programme pour que vous compreniez pourquoi nous devons tous le soutenir. Tout le peuple doit être derrière Maurice Kamto. Tout le peuple. Moi, je suis du MRC. Dès lors que j'ai lu le programme de Maurice Kamto, j'ai dit non. Lui, là, je n'ai même pas voulu réfléchir. J'ai dit, et enfin, on a un vrai... ça dit qu'on a un vrai leader. Pas les ventres affamés qui sont seulement là pour l'argent. Hey Dieu, protège notre leader, le seul que tu nous as donné. Seigneur mon Dieu, protège Maurice Kamto et les combattants du MRC qui sont enfermés. Seigneur, protège-les. Seigneur, je te prie tous les jours pour ces gens-là. Seigneur, donne-leur la liberté. Seigneur, donne-leur la liberté parce que tu as vu, nous sommes dans un combat juste. Nous ne voulons pas la guerre, nous ne voulons pas le sang dans notre pays. Nous voulons la paix pour tout le monde et nous voulons la justice pour tout le monde. La justice et la paix. La justice et la paix régnera au Cameroun au nom puissant de Jésus-Christ. Et je scelle cette parole dans le sang de Jésus-Christ. Donc sur ce, je vais vous mettre encore une musique religieuse pour vous dire au revoir. Je vous aime. C'était une petite... voilà une petite vidéo pour ma manière de réaffirmer et de confirmer mon soutien total au président élu, Maurice Kamto, et tous ces gens qu'on a enfermés aujourd'hui. Et pour l'histoire du 8 mars, je suis tout à fait d'accord avec ces gens qui ne veulent pas qu'on marche sur les cadavres du Nosso, tout ça. Vraiment, je suis de tout cœur avec tous les combattants. Parce que je pense que le combat est noble et juste. Il faut qu'il y ait une transparence au niveau de la gouvernance de notre pays. Il faut qu'il y ait un changement profond et total. Le peuple a soif du changement. Le peuple a soif de la vérité. Le peuple veut pouvoir vivre dignement. Dignement. On demande un minimum de dignité. C'est pas trop demandé. Vous nous avez privés de nos libertés, de tout. Vous nous privez même aussi de notre dignité, tout ce qui nous reste, la dignité de l'homme. Vous voulez nous arracher notre dignité? Non, quand même. Parce que les histoires de machin, tout ça qui se trimballe à gauche, à droite, on est obligé de conditionner tel, on conditionne l'autre. C'est priver l'autre de sa dignité. Nous, tout ce qui nous reste, c'est la dignité. Parce que l'argent, le Cameroun, la jeunesse camerounaise, ils n'ont rien. Pas de travail, ils n'ont rien, ils sont pauvres. Et aujourd'hui, on veut les enlever, même c'est-à-dire le dernier truc qu'ils ont, leur dignité. Non, mais laissez-nous notre dignité. Laissez Maurice Kamto, il représente au moins notre dignité, la dignité du peuple camerounais.
Vous nous avez tous enlevé le droit de ci, le droit de ça. Tout est bafoué. Mais il nous reste un peu de dignité. Laissez-nous la dignité, là. La dignité, le cœur qui aime. Vraiment, les mots me manquent pour vous exprimer ce que je ressens. Mais un être humain doit toujours au moins avoir un peu de dignité. Hein? On ne va pas conditionner les gens comme ça tout le temps. On dit que bon, ben, si tu ne fais pas partie de tel réseau, machin, truc, tu n'es rien, tu n'auras rien. Mais laissez-nous la dignité, le libre choix au moins pour notre dignité. C'est tout ce que le peuple veut aujourd'hui. Hein? Les histoires de machin, tout ça, on n'en veut plus. Bon, bref, c'était une parenthèse, hein, une parenthèse, une petite vidéo pour dire justice, liberté, égalité, hein, justice, liberté, égalité, voilà. Paix, travail, patrie, c'est l'emblème du Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a marqué paix, travail, patrie. Mais en France, il y a marqué justice, liberté, non, fraternité, c'est ça, fraternité, égalité. Et liberté, un truc comme ça. Bon, bref, nous, on veut la liberté et égalité. Voilà. Ça, nous, on veut ça. Hein? Donc, sur ce, je vous aime. Je vous remets un peu cette musique-là. Voilà. Et puis, je vous dis à la prochaine. Hein? Vive le MRC, vive le peuple camerounais, vive la révolution, vive un Cameroun uni, vive la paix, vive les valeurs justes et nobles, vive ça. Nous avons soif de la justice, on a soif de la justice. Bisous. Ah, ma sister Laura, option, tu es là. Ta chanson là me fait mal, hein. Je vais te faire une petite vidéo après avec la chanson là, une autre fois, mamie. Tu comprends? Ta chanson, Laura. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Attends, Laura, option. On va écouter un peu Jeannot de ma sistou d'amour, Laura, option. Hein. Comme je n'ai pas eu le temps de bûcher sa chanson, là, je vais vous faire écouter ça rapidement. Attends.
Alors, Laura option. Que nous ne sommes pas bêtes, hein, parce qu'on a le tribalisme, nous on prophétise l'amour. Hein. Les Bamilékés sont là pour vous dire que nous vous aimons, nous on vous aime seulement. Nous ne sommes pas dans les histoires de tribal tel et tel, nous on n'est pas dedans. Et on ne veut même pas faire partie de ce monde-là, parce que c'est un peuple qui est quand même fier. Nous sommes fiers quand même. Mais je dis, hein, le truc, c'est pourquoi ça ne... Attends, j'arrête d'abord. Pourquoi ça ne fait que tourner depuis là? Hein? Le problème n'est pas... Le problème du Cameroun, ce n'est pas Maurice Kamto. Le problème du Cameroun, c'est entre vous là-bas, à Yaoundé là-bas. Ce n'est pas Maurice Kamto. Maurice Kamto, c'est un monsieur qui vient nous mettre les gouttes dans les yeux pour mieux voir ce qui se passe. Hein? Ouais, l'histoire, c'est je vais mettre ça. Ah, c'est bon alors. Hey, ma sister Laura option. Ah, parlons, ça va? Comment tu vas? J'arrête mon direct, je danse du Jeannot après parce que je ne vais pas mélanger comme ça. Elle pourra partager. Voilà.